Radio, salut tout le monde. Bon, aujourd'hui petit vide grenier. Je suis sur un vide grenier à côté de chez moi. Il y a à peu près normalement, c'était noté 450 exposants. Alors je sais pas s'il y aura vraiment 450 exposants, car chaque année j'y vais souvent à ce vide grenier. J'y trouve pas forcément des trucs de ouf, on va quand même tenter. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'exposants, il y a énormément d'exposants, mais je pense pas qu'il y a 450 exposants. Donc là j'y vais, je rejoins quelqu'un aussi en même temps là-bas. Bon, l'avantage c'est que j'y vais à pied comme c'est juste à côté de chez moi. Et après on va à un autre vide-grenier. Par contre l'autre il est un peu plus loin, il est à Villeneuve-le-Roi de 94. Donc à 5 minutes en voiture. Donc ça va, c'est pas trop loin non plus. Et voilà quoi, donc aujourd'hui je ferai deux vide-greniers. Deux ou trois. Un à Tismons, l'autre à Villeneuve-le-Roi, et peut-être un troisième, je vais voir, on va voir. Bonjour, ils sont à combien les jeux? 1 euro, monsieur. 1 euro. Vas-y, tu sais, 3 euros. 1 euro? Vite grenier avec monsieur Majid. Faut que je mette sur internet ou je mets sur internet? Oui ou non? Majid, pas grand chose. On a fait, moi franchement j'ai fait des petites trouvailles, j'ai fait des prix, j'ai trouvé des petits trucs à des prix ouais, corrects, on va dire c'était correct. Majid il a fait tout depuis ce matin, on a au deuxième vide-grenier il a rien trouvé. Majid, tu trouves quelque chose ou tu trouves rien? Moi je cherche rien, je me promène. Tu te promènes hein? Il m'a accompagné. Donc lui, quand il voit des jeux vidéo, il regarde avec moi, mais il les prend pas forcément, il s'en fout. Bon, on a fini vite grenier. C'est bon, attends, je ferme la fenêtre parce qu'il y a du bruit. Vas-y, arrête ta pub là. Ouais, la pub, hé. Hey, t'as acheté quoi, Majid? T'as acheté des trucs ou t'as rien pris? Rien du tout, avec de la merde là-bas. Majid, il y a rien pris, avec que de la merde. Des poubelles. Les jeux, j'ai des poubelles. Hé, hey, on a vu un Final Fantasy 8, version Jap. 30 euros, je crois, ça. Ouais, 30 balles. 30 balles de Final Fantasy 8 version Jap. Bon, moi j'ai trouvé quelques trucs, mais à prix correct, c'est pas non plus des affaires de psychopathe, mis à part un truc, je trouve c'est quand même vraiment pas mal. Mais j'ai quand même trouvé quelques trucs. Mais Majid est parti bredouille. On a fait deux vides greniers, un à Tismons et un à Villeneuve-le-Roi. Donc voilà, bon bah, à terre pour le compte rendu. Ciao. Oui, tout le monde, bon. Petit compte rendu de ce vide grenier, je vous ai mis quelques vidéos. Bon, j'ai pas mis grand chose. D'ailleurs, ça m'a porté préjudice car j'ai trouvé à un moment donné une Wii. Je crois qu'elle avait 10 euros ou 7 euros. Non, je crois qu'elle m'a dit. Ah, je ne sais plus, 10 euros ou 7 euros, je ne sais plus combien elle m'a dit. Je lui ai dit, ouais, bon, c'est une Wii en loose. Il y avait une manette avec, elle avait une manette. C'est une manette Xiaomi, donc c'est pas n'importe quoi comme manette. C'est une manette de bonne qualité, Xiaomi. Et elle m'a dit, ouais, 7 euros. Je lui ai dit, 3 euros, madame, elle ne voulait pas trop. Après, elle m'a dit oui. Et quand j'ai sorti la vidéo pour filmer ce que j'ai chopé, elle m'a dit non, c'est bon, je pense qu'elle avait sa fierté. Puis elle m'a dit 5 euros, donc moi 5 euros, bon, c'est pas grand chose. Mais bon, par principe, on a dit 3 euros, donc moi aussi, de mon côté, j'ai ma fierté algérienne. Et j'ai dit non, c'est bon, ça m'intéresse pas, et je me suis barré. Donc voilà, j'ai loupé une console Wii en loose à 3 euros. Bon, après, je m'en foutais, j'étais pas vraiment plus emballé que ça de la prendre, donc j'ai pas prise. Comme vous avez vu aussi d'ailleurs, sur la vidéo, j'avais des cheveux, sur celle d'avant. Là, j'ai un peu moins de cheveux. Je suis passé chez le coiffeur dans la journée. Là, les gars, je suis vraiment capoute de chez capoute. Il est minuit passé. J'ai pas dormi la veille. Je me suis réveillé à 6h30, sachant que j'avais dormi à 5h du mat. Donc, 1h30 de sommeil. Et effectivement, ça commence à piquer. Bref, vas-y, je vais pas m'éterniser plus longtemps que ça. Je vais passer à ce que j'ai trouvé. Je n'ai eu pour après 35 euros tout ce que j'ai acheté. Alors le premier truc, je vous montrais un peu dans le désordre, il n'y a pas vraiment d'ordre. Mis à part les meilleurs trucs, je les garde vers la fin à peu près. Le meilleur truc.
Le premier truc que j'ai chopé à 50 centimes, c'est une housse de protection du Nintendo DSi XL. Donc la housse de protection, je trouve que c'est cool, c'est une housse de protection One Piece The New World. Donc voilà, 50 centimes, j'ai pris. Elle m'aurait dit 1 euro, j'aurais pas pris. Même 50 centimes, j'ai hésité parce que, bon, c'est pas cher 50 centimes, je suis d'accord avec vous. Mais j'en ai pas spécialement utilité pour le moment, donc c'est pour ça que j'ai hésité à la prendre, même à 50 centimes. Bon, en tout cas, ensuite, j'ai acheté des jeux PS2. Le premier, c'est Top Spin. Nickel. CD en excellent état. Alors, la notice est légèrement abîmée. Elle est gondolée. Mais c'est un gondolage. Pas dû à l'humidité, dû à, je sais pas, autre chose, je sais pas quoi. Et CD, bon, je pense que vous allez voir le ring light. Il est en état nickel. Un bal, celui-là. Un bal, ce jeu PS2. Ensuite, toujours sur la PS2. Driven, 1 euro, content, ouais, content, 1 euro, ah ouais, j'ai abîmé en remettant le disque, j'ai un peu abîmé le disque, c'est un peu plié, ouais, c'est pas grand, c'est pas grand chose, voilà. Ensuite, sur PS2, toujours, Senseiya, les Chevaliers du Zodiac, le Sanctuaire. Celui-ci, je l'ai payé, je crois, 2 euros. Je n'ai pas payé 1 euro, mais 2, je crois. Donc, voilà, nickel, CD, tout notice. Et en excellent état. Bon, je pense que vous allez voir le ring light, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Vous y habituerez. Il n'y a pas mort d'homme. Ensuite, j'ai chopé de la Wii. Je n'ai pas chopé d'études de ouf, hein, c'est études vite fait. Le premier, c'est Trivial Pursuit. 2 euros. Tous les jeux Wii, c'était 2 euros. Nickel, notice, CD en bon état. Ensuite, The Lapin Crétin, partie collection. Je suis content d'entrer, mais il n'y a pas de notice. Je suis un peu moins là. Donc voilà. Ah, c'est bizarre d'ailleurs, écrit lapin crétin et dedans c'est écrit lapin crétin, mais en anglais écrit Raving Rabbit. Donc pourtant c'est un pays dedans et tout. Ça, c'est peut-être normal. Donc ouais, 2 balles. Après Tony Hawk, Downhill Jam, 2 balles. Notice, CD, tout. Ah, les gars, je suis dégoûté. Ils ont mis sur notice une étiquette occasion, je sais pas quoi. Je sais même pas c'est quelle enseigne ça. On dirait du Leclerc d'occasion, je sais pas. En tout cas, 2 balles. Je suis quand même content. Ensuite, Monopoly Collection. Idem. 2 balles. Notice tout. CD complet. Ensuite, Family Trainer Treasure Adventure. 2 balles. 2 balles, 2 balles. Donc ouais, je suis content aussi. Nickel. Et pour finir, pour sur Aoui, j'ai eu une boîte d'un jeu gratuit parce qu'il n'y avait plus CD dedans. J'avais été déterminé, mais ça n'arrive pas. Ouais, donc j'ai eu une boîte d'un jeu gratuit, c'est Resident Evil Archive. Elle m'a refourgué parce qu'il n'y a plus CD quand je voulais lui prendre. J'ai dit, il n'y a plus CD, madame. Elle m'a dit, bah, gardez-le, j'en veux pas, c'est plus CD. Donc elle a dû le perdre ou elle a dû se faire voler, je sais pas. Donc ouais, celui-ci est gratuit. Si un jour je trouve aussi dans Loose, ce sera cool. Ensuite, on va passer au jeu PSP. Alors sur PSP, j'ai trouvé 3 petits jeux. Le premier, j'ai trouvé Socom Fire Team Bravo 2, 1 euro. Nickel. Il y a juste... La fixation qui est cassée, bon après c'est pas très grave. 1 euro. Ensuite j'ai trouvé Wipeout Pure. 2 euros celui-ci. Le mec qui en voulait 5. Je lui ai dit 2. Il a dit ok parce que c'était la fin de, c'était vers 10h, 10h30. À mon avis, il n'avait pas le vendre à 5 euros donc il s'est dit ok, 2 euros. Idem, toujours le même mec. 2 euros au lieu de 5. Il m'a dit ok. Donc, content.
Ouais, après je paye Vita. Ensuite, on va passer au jeu PS3. J'ai chopé pour 2 euros auprès d'une dame. Elle m'a dit oui, 5 euros, 6 euros. Elle m'a dit c'est un jeu qui est bien et tout. Il coûte cher et tout. Je lui ai dit vas-y, je te prends 2 euros. Elle m'a dit bon, vas-y, 2 euros, c'est bon, je te laisse. Donc, c'est Resident Evil, Opération Raccoon City. Celui-là, j'avais déjà, il me semble. Donc, il faut que je vérifie. Si c'est le cas, je pense que je vais mettre à l'échange. Donc, 2 balles. Content. Ensuite. PS4, j'ai trouvé un jeu PS4. Je suis arrivé sur un stand, il n'y avait pas de jeu, il y avait un mec qui avait un jeu PS4 qui traînait. Je lui dis combien? Il me dit, tu serais prêt à mettre combien? Je lui dis 5 euros. Il me dit, ok, adieu, j'ai vendu. Et là, je me suis dit, merde. Parce que la mère qui m'a dit, ok, ça se voyait qu'il ne s'attendait pas à 5 euros, il s'attendait plutôt à moins. J'aurais dû dire 3 euros. Bon, tant pis. On ne gagne pas tous les coups, mais bon, c'est quand même, il est quand même rentable. C'est le G-Star Victory VS Plus. On est à nickel. Et c'est la version collector. Il y a le steelbook avec. Et il y a le artbook. Donc voilà, 5 euros. Par contre, il n'y a pas de fourreau. Alors, je ne sais pas s'il y a un fourreau ou pas. Je ne sais pas si vous pouvez me le dire, s'il y a un fourreau qui est fourni avec ou pas de base. Mais moi, je ne l'ai pas. Il ne l'avait pas non plus. Donc voilà. Ensuite, j'ai chopé un jeu PS Vita. Il était à 10 euros. Et le mec, 10h, 10h30, il m'a dit 10 euros. Il n'arrivait pas à le vendre, je lui ai dit 5 euros et il m'a dit oui, ça gênait un peu, mais il a accepté. Ça se voyait qu'il a accepté parce que j'étais pas le seul qui était passé, il y avait d'autres qui étaient passés derrière et il n'avait pas réussi à le vendre. Donc il a dû dire 10 euros, 5 euros plutôt, c'est bon, je lui lâche. Donc voilà, il a accepté 5 euros. C'était le Looney Tunes Galaxy Sport, 5 euros. Je suis quand même content de rentrer à un jeu PS Vita. C'est pas souvent, donc voilà. Et le meilleur pour la fin, c'est un jeu. Un lot de jeux rétro gaming. Il y avait trois jeux rétro gaming. Il y avait un jeu Nintendo 64 et deux jeux Game Boy Color. Je lui dis au mec combien les jeux vidéo. Il me dit 8 euros. Je dis 8 euros quoi, le lot? Il dit oui, 8 euros le lot. Je dis 7 euros, c'est bon. Il me dit vas-y, c'est bon, 7 euros. Donc 7 euros, j'ai eu quoi? J'ai eu Super Mario 64 en très bon état. Franchement, il est en très bon état. Je suis content. Donc voilà. J'ai eu ensuite Astérix et Obélix sur Game Boy Color. Et pour finir, Wario Land 3. Donc ces trois jeux-là, 7 euros. Je suis quand même content. Et j'ai une petite anecdote. Je vais vous mettre une vidéo tout de suite. Il n'y a pas des jeux vidéo dedans? Ah non, il n'y a que les potes qui inventent. C'est combien un chef les capotes? Hein? C'est combien les capotes? Ah, les capotes? Ouais. Tout haut, de 2 euros la pièce. Avec ça, c'est sûr que t'as un gosse, non? Avec ça, c'est sûr que t'as un gosse, non? Il y avait un mec qui vendait des capotes et autres capotes lubrifiants et tout à 2 balles. Je dis cool, soit caché de ça, il chope une MST peut-être ou un gosse dans 9 mois. Enfin, voilà quoi. Je pense que ça vaut pas le coup de prendre des capotes et tout en vite grenier. Hein. À mon avis, ça vaut pas trop le coup. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et je te dis à bientôt. Ciao et bye tout le monde.